Yo les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais vous présenter une petite compilation, un top 10 des plus grosses erreurs des gardiens de but. Alors cette vidéo est assez comique pour certains gardiens, donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Allez, c'est parti. On commence donc tout d'abord avec la 10e position et le gardien allemand du Bayer Leverkusen, Bernd Leno. Donc très très bon jeune gardien. Donc tout simplement, il avait reçu une passe en retrait de son défenseur et il avait voulu dégager. Il a totalement raté son dégagement et du coup le ballon est rentré dans ses propres filets. Donc but assez marrant du gardien allemand du Bayer Leverkusen. On poursuit avec la 9e position et le gardien vétéran ex du Real Madrid, Iker Casillas, donc légende espagnole du FC Porto. Donc tout simplement sur une contre-attaque de l'équipe adverse, il était sorti très très loin de son but et il avait totalement raté la balle qui était quand même assez loin de ses cages. Donc tout simplement le joueur adverse l'a dribblé très rapidement et a pu marquer dans le but vide. On passe à la 8e position maintenant avec Marc-André Ter Stegen, le jeune gardien allemand du FC Barcelone. Donc c'était pas un match avec le Barça mais plutôt avec la sélection allemande, la Nationalmannschaft. Alors tout simplement, ils étaient en train de faire un petit jeu passe courte dans la propre surface de réparation du gardien allemand et tout simplement lorsque son défenseur lui a remisé la balle, il a totalement raté sa feinte et il l'a marqué dans son propre but. On passe à la 7e position avec Khalid Askri, donc le gardien marocain. Donc il s'agit d'une des vidéos les plus populaires donc dans le monde du football. Tout simplement, c'était une séance de tir au but, il pensait avoir arrêté le penalty mais l'effet du ballon était assez énorme et le tir est du coup rentré, donc but très très comique. On poursuit maintenant avec Mauro Goycochea, donc le gardien uruguayen, donc actuellement à Toulouse, donc ex de l'AS Roma, donc c'était un match avec l'AS Roma d'ailleurs, où il a fait cette boulette. Donc tout simplement sur un centre de l'équipe adverse, il a totalement raté son arrêt et il a mis le ballon dans ses propres filets, donc but assez comique de Mauro Goycochea contre son camp. Donc il était un peu choqué quand même après ce but. On poursuit maintenant avec la 5e position et Bjart Flem, donc le gardien norvégien. Donc but assez sympa parce que le gardien norvégien avait récupéré la balle entre ses mains et il souhaitait dégagé du coup à la main, sauf qu'il a totalement raté son dégagement et il l'a marqué dans ses propres filets, donc c'est vraiment un but assez gag, assez incroyable de la part du gardien norvégien. On poursuit maintenant à la 4e position avec le gardien libanais Hassan Bittar. Alors tout simplement Hassan Bittar qui avait totalement raté son contrôle de balle, un peu à l'image de Marc-André Ter Stegen, sauf que là il s'est totalement rétamé en voulant récupérer la balle, donc c'est vrai qu'il a dû se faire assez mal, mais c'est assez marrant quand on regarde la vidéo d'un peu plus près. On entre maintenant dans le top 3 les amis avec Oliver Baumann, donc le gardien allemand de Hoffenheim. Alors tout simplement sur un seul match il avait réussi à faire plusieurs boulettes, donc tout simplement il avait repoussé la balle sur le joueur qui avait pu marquer par la suite. Donc c'est vrai que c'était sur un seul match plusieurs boulettes, donc match assez gris pour le gardien allemand Oliver Baumann. À la 2e position il s'agit du joueur chinois Xiu Weijie, donc désolé pour la prononciation. Donc c'est vrai que les chinois ne se sont pas seulement fait connaître par les transferts très très importants mais également par leur bourde, tout simplement avec le gardien chinois. Donc c'était sur un coup franc très très vite joué, donc cette fois-ci l'équipe adverse le joue très très vite et marque dans un but vide. On se demande où est le gardien, mais tout simplement le gardien était en train de prendre une pause et de boire son eau, donc il a été totalement choqué quand il a vu le ballon dans ses filets puisqu'il ne savait pas ce qui s'était passé. Puis à la première position il s'agit de Tomislav Piplica, donc le gardien bosnien. Donc vraiment vidéo très très comique du gardien bosnien puisque sur une frappe il a voulu dégager la balle avec sa tête, sauf qu'il s'est mis un bon coup de tête dans le but. Donc vidéo assez marrante, je vous laisse la regarder. Donc voilà les amis, cette vidéo sur les grosses erreurs des gardiens, donc vidéo plutôt comique quand même pour certains, et maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, également des idées d'autres vidéos top 10 sur le football. Et sur ce les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, ça ferait vraiment super plaisir, également à partager la vidéo pour faire découvrir la chaîne à vos proches, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox, allez salut tout le monde.